Les facteurs attendaient encore ce matin qu'un protocole d'accord soit signé avec la direction. Certaines revendications, comme l'autorisation de faire des heures supplémentaires pour que tout le courrier soit distribué, ont été acceptées. Mais pour d'autres, les négociations sont toujours en cours. C'est le cas de la sécabilité, une tournée définie qui peut être redistribuée aux équipes en place lors des périodes dites faibles. C'est une charge qu'on a en plus. Et si cette journée, par hasard, n'est pas faible, si vraiment il y a beaucoup de courriers, nous la prenons quand même. Donc, pour finir à l'heure, on court, et les conditions deviennent complètement impossibles. Rassemblés devant le centre de Saint-Nicolas d'Aliermont, l'ensemble des 90 facteurs ne semble pas vouloir fléchir quant aux doléances exprimées. Dans quel état d'esprit vous êtes aujourd'hui, après 3 jours de grève ? Remonter, et psychologiquement, ça a du mal à tenir, mais remonter, on tiendra jusqu'au bout tant qu'il n'y aura pas un protocole écrit, quoi, bien défini. Les négociations sont toujours en cours. La direction de la Poste assure avoir mis en place un plan de continuité de distribution du courrier, tout en précisant être ouverte au dialogue.